Je suis là pour vous parler d'un simulateur de dynamique moléculaire que j'ai passé beaucoup trop de temps à faire. Et je me dis que ça peut être vraiment intéressant de vous en parler, mais aussi des problématiques qui tournent autour de ce simulateur. Pourquoi on en a besoin? Pourquoi c'était compliqué? Tout ça, tout ça. Du coup, ben voilà, ça c'est pour vous dire bonjour. Oh non, je... Oui, non, c'est le câble HDMI qui... J'ai pas de VGA sur ma machine. Ouais. Merci. Ah oui, ouais, je sais pas, j'ai pas de truc pour contrôler le projecteur. Ok. Enfin. Ouais, donc voilà. On va recommencer ici. Bon, ça, c'est juste pour me présenter. J'ai mis des poissons parce que c'est quelque chose que j'aime, mais ça n'a rien à voir avec la conférence en elle-même. Ça, c'est juste... bon, voilà, les projets que j'ai faits, c'est plutôt lié à de l'OS sécurisé. Là, mon projet actuel sur lequel j'essaie de me concentrer, c'est le Metwork. C'est un framework de Météo France, du coup, qui est utilisé pour... faire fonctionner toute une agence météo qui est 100% open source et c'est très chouette et j'ai envie de bosser dessus, donc ben voilà, je me suis mise. Et là, je vais commencer parce que c'est compliqué la dynamique moléculaire quand même. Hein. Je vais commencer par quelque chose qu'on connaît tous, c'est les médicaments. Donc les médicaments, c'est généralement des molécules qu'on peut caractériser de manière assez complète, on peut les dessiner, en l'occurrence on fait ces petits dessins, ça s'appelle des représentations topologiques. Et ce n'est pas le cas pour tous les médicaments qu'on a en fait. Là, on a des représentations de molécules simples. Il y a une quinzaine d'atomes à tout casser. On peut passer dans des molécules plus complexes. Ici, on a l'amphotéricine B. C'est un antifongique. Et on voit tout de suite que c'est beaucoup plus difficile à représenter. Hein. On est obligé de faire des angles partout. Ce n'est pas facile. Mais jusque-là, c'était encore facile à représenter, à étudier, ne serait-ce que la dessiner sur un tableau, toutes ces choses-là. Puis ensuite, on a commencé à faire des abominations comme ça. C'est un médicament pour le VIH, donc c'est pas comme si on pouvait simplement dire « Non, on ne va pas t'étudier ». C'est quelque chose de vital. On en a besoin. On a besoin de pouvoir le caractériser. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Et donc, comment on s'y prend? On s'y prend avec des simulateurs. Des simulateurs, c'est des logiciels qu'on met sur un ordinateur. On lui fait un joli petit fichier qu'on fait une seule fois. Généralement, en plus, c'est quelqu'un dans un laboratoire aux États-Unis qui le fait. On n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Et une fois qu'on le charge, on peut le regarder, on peut le dessiner, on peut l'étudier, toutes ces choses-là. Le problème, c'est que là, on avait des logiciels qui étaient adaptés pour faire des petites molécules, ce genre de choses. Là, on commence beaucoup à toucher, par exemple, le vaccin pour le Covid-19. C'était un vaccin ARN messager, c'était des molécules... on ne pourrait même pas la dessiner, en fait. On ne pourrait même pas lui donner un nom, tellement ce serait complexe. Donc pour ça, on a besoin de logiciels qui sont adaptés à traiter des problèmes aussi complexes. Hop, voilà. Donc notre solution, ça a été de faire des gros ordinateurs. Voilà. Grosses molécules, gros ordinateurs. Là, on en a un que je connais bien, du coup. Hein, c'est, lui, il a l'espace Clément Ader. C'est un des deux supercalculateurs de Météo France.
Mais le problème, c'est que un supercalculateur, c'est pas facile à utiliser. Pas tout le monde en a un, c'est cher. Dedans, il y a des composants propriétaires. Ça crée tout un problème de compatibilité. Donc, par exemple, il y a un chercheur qui il va faire des recherches sur, je sais pas moi, un nouveau vaccin. Un vaccin ARN messager. Il aura besoin de simuler sa molécule. Donc, il va faire son petit code. Il va passer un petit peu de temps, mais il peut le faire. Ensuite, il va partager son code, il va partager ses travaux de recherche. Et dans le processus scientifique normal, il y a des pairs de la communauté académique qui vont regarder son travail, le reproduire, essayer de voir si c'est correct ou pas. Le problème, c'est que le chercheur B, il a un autre supercalculateur, il n'a pas les cartes NVIDIA, il a les cartes AMD, ben, ça ne fonctionne pas. Là, on est dans un problème qui va même au-delà de simplement de reproduire les résultats scientifiques, en fait. On est à un stade où ça rejoint un petit peu une conférence de ce matin. C'est la sûreté de l'État, c'est l'indépendance du pays qui dépend de ce genre de choses. Parce que la capacité de produire un vaccin, si elle est régulée par un État étranger qui contrôle un marché essentiel à la simulation, si, je sais pas, moi, dans 15 ans, on se prend la tête avec les États-Unis, ils vont dire plus de cartes graphiques pour vous, plus de simulation pour vous, et tout ce qu'on avait bâti sur, par exemple, les cartes NVIDIA, voilà, ça fonctionne plus. Donc, ça rejoint aussi, plus que l'indépendance du pays, ça va sur la sûreté du pays, parce que si on n'a plus les moyens de produire des vaccins, parce que machin dit non, pas de simulateur pour vous, bon, voilà, quoi. Du coup, moi, j'ai vu ce problème-là, quand j'étais encore à la fac, et je me suis dit, ce serait bien d'essayer de fournir une alternative libre au simulateur actuel. Actuellement, il y a deux gros simulateurs de dynamique moléculaire, il y a LAMPS et GROMAX. Donc LAMPS, c'est du code open source, c'est produit par l'Agence nationale de sûreté nucléaire américaine. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose sur lequel on a le contrôle. On peut lire le code source, on peut l'étudier, on va pas pouvoir y contribuer. Il y aura quand même un certain contrôle de l'État américain dessus. GROMAX, c'est à peu près les mêmes délires, c'est, il y a des autorités derrière, en fait. C'est pas du logiciel vraiment libre. Du coup, en 2018, je me dis, autant faire mon simulateur, voilà. Je l'ai appelé Senpai, parce que, si je ne m'abuse, en japonais, ça veut dire professeur, et je me suis dit, ça correspond bien à tout ce milieu de l'enseignement, en fait. Voilà. Bon, maintenant, je vais devoir vous expliquer un petit peu, en gros, en quoi ça consiste, la simulation de dynamique moléculaire. On va définir une boîte, on va mettre des molécules dedans, on va utiliser les équations de la mécanique newtonienne pour voir comment les molécules bougent dans cette boîte. De plus en plus, on utilise des techniques alternatives à la mécanique newtonienne. Donc j'ai noté l'IA, parce qu'on se sert pas mal de l'IA pour essayer de faire avancer les choses, mais bon, c'est pas trop ça pour le moment. Le DFT quantique, c'est des modèles qui visent à simuler le mouvement des molécules en les considérant non pas comme des particules corpusculaires, mais selon les modèles ondulatoires, donc DFT, density field theory, functional theory. Ça c'est le petit résumé, on crée la boîte, on met la molécule dans la boîte. Là, la chose sur laquelle j'aimerais vous interpeller, c'est l'étape 3. Voilà. c'est pas facile, hein, c'est... Voilà. Concrètement, c'est une équation qu'on appelle le champ de force. Et le champ de force, c'est quelque chose qui est central à la dynamique moléculaire. C'est l'équation qui va définir l'énergie potentielle d'une particule à un moment donné. Et donc, on va voir ce que ça donne en pratique. Ouais, c'est ça. Ah non, mince. Donc là, en bas à droite, j'ai Senpai qui est ouvert. Le reste de l'écran, à gauche, c'est VMD. C'est un logiciel de visualisation, car mon simulateur, il simule, il ne visualise pas. Il faut visualiser ce qu'il produit. Donc, on peut voir qu'on lance la simulation. Instantanément, ça s'ouvre, ça met quelques commentaires. Et puis là, ça fait un rendu frame par frame, du coup. La durée d'une frame, là, c'est une picoseconde. Donc, non, femtoseconde. Paf, il a fini, on l'ouvre, c'est un fichier XYZ, un format libre, complètement
Voilà. Bon, ça, il faut pas avoir peur. C'est normal, c'est de la chimie. Là, je suis en train de vous mettre un autre mode de visualisation, comme ça vous pouvez voir les petites boules, c'est plus familier. Voilà. Donc ça, c'est une boîte qui est invisible et dedans, des molécules qui bougent. Des atomes. C'est normal. J'essaye de vous rendre le truc visuel, mais bon. Voilà. On va retourner sur la présentation. Du coup, on va revenir sur l'équation que je vous ai présentée, le champ de force. Donc, ça, c'est l'équation du champ de force qui s'appelle Ember. C'est un champ de force qui est public. Il y a des champs de force qui sont du coup gardés privés par des grippe-sous. Et bon, du coup, celui-là, il a l'avantage d'être relativement général. On peut s'en servir comme on veut. Ça fera des bonnes approximations pour à peu près tout. Si on regarde en détail comment on pourrait calculer ça, on voit qu'il y a des sigma majuscules. Ça, en mathématiques, ça dénote une somme. Donc, on va faire une somme sur un certain ensemble. Et du coup, en fait, cette somme, elle va être délimitée par le nombre n, le nombre d'atomes. Et l'opération en elle-même, elle est dimensionnée au n carré. Du coup, on va faire 4 calculs pour 2 molécules. Pour 16 molécules, on va faire 256 calculs. Enfin, voilà, quoi. Ça scale au carré. Et là, en fait, comme je l'ai expliqué au début, on n'est plus sur des petites molécules. On est sur des centaines de milliers d'atomes. C'est catastrophique, donc il faut régler ce problème-là. Dans SenPy, j'ai trouvé plein de solutions pour améliorer. Là, on a un algorithme de réduction de potentiel. C'est-à-dire que quand on commence la simulation, il faut réduire l'énergie potentielle au maximum pour que ça puisse se simuler correctement. Donc ma solution, c'est une solution que j'avais vue nulle part ailleurs avant. On introduit les molécules aléatoirement dans le cube qu'on a défini précédemment. On va générer des matrices de transformation aléatoires. Ces matrices, on les génère avec le petit code à droite que j'ai mis, où on lui fournit un angle et un axe. Ouais, voilà. On va appliquer ces transformations à des ensembles d'atomes, les molécules, et ensuite on va aussi appliquer des transformations, elles, linéaires, pas des rotations. Donc on va faire ça suffisamment de fois. Si on voit que ça réduit le potentiel, on garde la transformation. Sinon, on jette la transformation. Ça va nous permettre d'approximer un potentiel minimum. Ici, on va utiliser, si vous faites de l'IA, vous avez sûrement entendu parler de la descente de gradient. Ici, en fait, on va faire de la descente de gradient, mais sur un autre espace, c'est l'espace de l'ensemble des coordonnées de tous les atomes du volume. Donc ça, pareil, c'est pas quelque chose que j'avais vu dans les simulateurs LAMPS et GROWMAX. La réduction de potentiel, on devait le faire soi-même avant. Là, du coup, c'est automatisé. On lui donne un potentiel cible et il va le faire tout seul comme un grand. Donc, génial. Ensuite, quelque chose d'autre que je n'avais pas vu dans l'AMPS et GROWMAX, c'est l'attribution des vitesses initiales de chaque atome. Donc, si on regarde un petit peu la mécanique des fluides, tout ça, comment le gaz y bouge, on a ce qu'on appelle la distribution de Maxwell-Boltzmann qui va définir la vitesse moyenne, pas moyenne, enfin, vous voyez, c'est une courbe de Gauss, quoi. Donc, il fallait modéliser ça aussi. Bon, je l'ai fait, du coup, hein, pour le coup, c'est 20 lignes de code. Voilà, quoi, c'est pas la fin du monde non plus. Mais reste quand même qu'il faut paralléliser tout ça, parce que si on fait ça sur un seul processeur, le pauvre, il va jamais en finir. Hein. Donc là, on a fait pas mal de travail aussi sur modéliser le speed-up qu'on pouvait avoir en parallélisant la simulation. Ensuite, on s'est dit, ouais, mais il faudrait faire ça sur beaucoup d'ordinateurs. Du coup, là, vous avez un schéma abominable, on dirait, je sais pas, on dirait quelque chose d'un rituel. Et ça consiste à expliquer en fait à quel point le logiciel est parallélisé en fait. Donc vous voyez des threads, c'est-à-dire que chaque machine va faire apparaître indépendamment des threads avec un petit calculateur, une librairie en fait concrètement. Des librairies qui du coup vous pouvez coder. Un chercheur peut dire ouais moi je veux coder comme ça, donc j'ai fait ma petite librairie, un petit plugin pour SenPy. Et si ça se trouve, les autres ils vont apprécier, ils vont le lancer. Du coup, ça, je l'ai appelé Citrouille parce que mon chat s'appelle Citrouille. Citrouille, c'est juste le wrapper autour de SenPy. Concrètement, c'est du Flask. Donc, ça va tout se connecter entre eux. Il y a plein de trucs cool dedans. Il y a des logs. C'est envoyé dans Elasticsearch, il y a Kibana, il y a AWS et tout. Tous les buzzwords, je les ai mis. Voilà. Et ça permet d'avoir en fait, toute l'infrastructure de simulation. Ah, voilà. Là, je vous ai fait un super graphe qui explique plus proprement comment ça se passe. Toute l'infrastructure nécessaire à la simulation sur un supercalculateur.
elle est intégrée dans ce qui s'appelle Citrouille, qui est le wrapper de SenPy. Donc voilà, le SenPy concrètement fonctionne sur les nœuds compute. Tout ça, ça reste du logiciel libre. Et je trouve que c'est vachement bien. Bah après, il reste d'autres problèmes. Pas tout le monde a un super calculateur sous la main. Si, par exemple, si vous êtes à la fac, vous étudiez la chimie, vous avez envie de simuler une molécule, je sais pas, vous devez le faire, voilà. Bah, vous allez soit avoir accès au supercalculateur de votre fac, si elle en a, parce que ça coûte cher, encore une fois, soit vous allez pouvoir télécharger le Docker SenPy, qui fonctionne très bien tout seul. Vous pouvez le faire fonctionner sur votre téléphone, vous pouvez le fonctionner sur... Je l'ai fait porter sur Game Boy l'année dernière. Non, vraiment. Je l'ai fait tourner sur Game Boy, sur mon téléphone, sur... Ça fonctionne partout, en fait. Et tant que vous pouvez installer les runners SenPy, ces nœuds SenPy sur une machine, bah, ça fonctionnera. Donc au final, vous pouvez avoir votre propre cluster qui est sur un OVH, sur un vieux ordinateur qui traîne chez vous, vous pouvez l'avoir, ou bien juste simplement sur votre ordinateur portable. Ça fonctionnera. Et ça, je trouve, c'est la force de SenPy, c'est vraiment de pouvoir être adapté sur les architectures de tout le monde, que chaque chercheur puisse simuler en traitant le matériel comme... Enfin, ça permet d'abstraire le matériel, ça permet vraiment d'abstraire tout ce qui se fait traditionnellement à base de code Fortran avec des bindings CUDA, je sais pas quoi, enfin, NVIDIA, quoi. Et là, on a vraiment une approche qui est vraiment du logiciel libre à la dynamique moléculaire. Hop. Donc ça, c'est quelque chose que... C'est une feature qui est vraiment chouette. Je vous ai mis du code Flast, parce que comme ça, ça vous donne un petit peu une idée. Bon. Les molécules, quand on veut les simuler, on doit bien aller les chercher quelque part. Bah, du coup, là, maintenant, avec Citrouille, il y a un dépôt pour les molécules. Les modèles, c'est-à-dire définir les valeurs de potentiel, etc., pour chaque atome, pareil, sur un dépôt. Tout ça, c'est des fichiers YAML, on peut les versionner, on peut les télécharger comme on téléchargerait une certaine version d'un Docker, en fait. Et voilà. Le problème, c'est que ça devient un petit peu lourd, tout ça. Ça devient beaucoup de choses. Et ça fait 5 ans que je le développe. C'est super, hein, j'en suis fier. Mais c'est lourd. C'est beaucoup de logiciels, c'est beaucoup de code, c'est beaucoup de maintenance. Il n'y a jamais eu d'audit de sécurité par un parti tiers. Je ne peux plus. Ça fait 5 ans que je le fais. Je n'aurais même plus le courage de redémarrer mon infrastructure à la maison pour pouvoir le développer. Donc, c'est plus quelque chose qui est faisable aujourd'hui. Et je vous parle de ça parce qu'on parle beaucoup des logiciels libres qui ont réussi, des logiciels libres qui sont utilisés partout. On parle beaucoup de Linux, évidemment. Hein, c'est l'exemple du logiciel libre qui a fonctionné. On parle beaucoup, par exemple, dans la conférence précédente, dans cette salle-là, des logiciels de musique qui ont réussi. On en a parlé. Mais ceux qui échouent, on n'en parle pas beaucoup. SenPy, selon moi, a échoué. Il est très bien, il fonctionne bien, mais il n'a pas réussi à sa mission principale, à savoir de libérer la science du logiciel propriétaire, du matériel propriétaire. Il n'a pas réglé ces problématiques-là. C'est des problématiques qui sont freinées beaucoup par l'administratif, mais pas que. Donc, pour régler ces problèmes-là, j'ai essayé SenPy et je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne solution. Voilà. Ah oui. Tu prends les questions ou pas ? Ouais, je prends les questions, pas de soucis. Pourquoi tu crois que ça n'a pas marché ? Enfin, ça n'a pas marché, apparemment, le logiciel fonctionne. Après, je comprends que ça puisse se passer, puisqu'il peut y avoir tous les scientifiques qui se mettent dessus. Mais est-ce qu'ils avaient peur que si on t'aide à faire ça, et du coup, on peut fabriquer à la maison n'importe quelle molécule, sauf en théorie ? Après, il faut les fabriquer, on est d'accord. C'est pas si facile que ça. Ça voudrait dire qu'en gros, tu donnerais les moyens à n'importe qui de faire n'importe quoi ? Au moins virtuellement. Et c'est ça qui est bloque. Parce que là, en ce moment, le discours sur l'IA, c'est exactement ça. C'est surtout pour ne pas donner de l'LM aux gens. Si on a un moteur de texte, on va tuer tout le monde. On va écrire le texte, ils vont tuer les gens. Ouais. Il n'y a pas de doute, c'est tellement logique. Est-ce que c'est le même genre de logique qu'on t'a reproché ou il y a d'autres? Alors, est-ce que. Enfin, du coup, la question, si je devais la résumer pour la caméra, pourquoi est-ce que je pense qu'il n'a pas été adopté massivement? Parce que dans le milieu académique, quand on propose une solution radicale qui est censée révolutionner tout, il faut avoir les crédits derrière, il faut avoir l'autorité derrière. Et cette autorité, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas à mon âge, je ne l'ai pas avec mon parcours, je ne l'ai pas. Donc, avec le temps, il a quand même été pas mal adopté. Il y a des laboratoires du CNRS, j'en connais un à Toulouse où j'ai fait mon stage, qui s'en servent encore aujourd'hui. Par contre, ils ne vont pas baser tout un supercalculateur et son infrastructure dessus.
pour que ce soit vraiment pris au sérieux, il faudrait qu'il y ait un intérêt de la part des gens pour contribuer quotidiennement, peut-être pas, mais régulièrement sur ce logiciel, le maintenir, en faire des reviews, ce genre de choses. Mais la dynamique moléculaire, c'est un sujet très niche. D'ailleurs, je pense que personne ici n'avait entendu parler de cette combinaison de mots avant la conférence. C'est quelque chose de très niche. Pour que les gens soient intéressés par la dynamique moléculaire, il faut déjà que l'intérêt existe dans le public. Dans la promotion dédiée à la chimie théorique à l'université Paul Sabatier, il y avait 5 personnes en 2018. 5 personnes qui sont intéressées par ça. C'est pas grand-chose. C'est pas suffisant. Donc là, j'ai proposé une solution radicale. Concrètement, c'est l'équivalent d'aller voir un chercheur et lui dire « Hey, coucou, tu fonctionnes comme ça depuis 40 ans. Moi, je te propose de tout jeter et de faire fonctionner comme ça. » Objectivement, ma solution est meilleure. En pratique, le gars, il va juste me faire... Voilà, il m'ouvre la porte, c'est tout. Voilà, donc selon moi, c'est beaucoup de facteurs qui font que ça ne fonctionnera juste pas. Ce n'est pas que le côté technique qui est important. Voilà. Oui, et puis voilà. Oui, et puis voilà, ouais. Oui, alors pour beaucoup de chercheurs, oui, ça, c'est une solution très jeune. Et surtout, en fait, c'est pas quelque chose qui va être enseigné dès maintenant aux nouveaux chercheurs qui sortent d'école. Pour qu'une technologie dans le milieu académique prenne vraiment de l'ampleur, il faut qu'on sorte d'école en ayant appris à l'utiliser. Là, c'est vraiment pas le cas. Par curiosité, les chercheurs, ils utilisent quoi s'ils utilisent PassenPy ? Des programmes qu'ils développent eux-mêmes ? Ou il y a des gros simulateurs de MATLAB Alors, comme je l'ai mentionné au début, il y a deux logiciels qui sont beaucoup utilisés, Gromax et LAMPS. Mais la plupart des temps, de ce que j'ai vu, c'est beaucoup de code fait maison, généralement en Fortran avec les librairies CUDA. Tu as parlé de champ de force tout à l'heure. Ouais. Tu as cité Amber et tu disais Amber c'était public et que les autres étaient proprio, mais du coup, c'est quoi un champ de force et c'est quoi Amber et pourquoi? Un champ de force, c'est une équation, c'est énergie potentielle d'un tel atome égale, puis ensuite l'équation. Du coup, celui-là, il est libre, parce que tout le monde le connaît. Il y a des champs de force qui ne sont pas connus. Mais pourquoi il y en a des différents ? Enfin, genre, c'est pourquoi il y a... Un champ de force, en fait, c'est de la physique ? C'est une équation physique ou c'est une équation informatique ? C'est une équation qui est censée approximer la réalité. Ah. On ne peut pas fournir une solution exacte. Ça, j'y ai pas touché parce que c'est vraiment des mathématiques un peu compliquées. Mais tout ça, c'est de l'intégration numérique, comme on dit. L'intégration numérique, c'est une approximation. C'est pas quelque chose qu'on peut calculer instantanément. C'est d'ailleurs pour ça que ça demande autant de puissance de calcul. C'est parce qu'on fait des approximations. Et plus on veut de la précision, plus ça va consommer de ressources. Voilà. Permet de simuler un supercalculateur à partir d'ordinateurs physiques séparés ? Oui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué des solutions logicielles qui peuvent être installées sur plusieurs machines qui permettent, au final, de former ce qui pourrait être un supercalculateur. C'est-à-dire qu'on peut installer les briques logicielles sur plein de serveurs très puissants, les mettre dans une salle pressurisée, tout ça, tout ça. Il y en a un vrai supercalculateur, oui. Si on n'a que des téléphones sous la main, on peut les installer sur 50 téléphones et oui, on aura un super téléphone. Voilà, tout à fait. Pouvoir rassembler en gros toute la mémoire de par ordinateur et toute la puissance de calcul de par ordinateur pour faire un supercalculateur, mais apparemment il y a beaucoup de problèmes pour faire ça. Donc est-ce que la solution que vous avez mise en place est universelle dans le sens que ça pourrait s'appliquer à d'autres algorithmes que SenPy ? Et est-ce que ça marche avec des machines hétéroclites ou est-ce qu'il y a des contraintes en fait ? Ok, donc est-ce que ça pourrait fonctionner sur plusieurs machines et d'abstraire complètement le matériel ? À moitié. C'est-à-dire que cette problématique, je l'avais intégrée dès le départ parce que j'avais plusieurs machines différentes. J'ai un budget qui est plutôt faible, hein, je fais ça dans ma chambre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur LTLC, j'ai acheté plusieurs exemplaires de l'ordinateur le moins cher qu'ils avaient en reconditionné à 40 euros. C'était des machines différentes. Une minute. Ok, je vais faire super vite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un protocole de télémétrie intégré à tous les nœuds entre eux qui va leur permettre de reporter leurs difficultés à faire les calculs.
Et du coup, la charge de travail va être répartie en prenant en compte cette difficulté à faire les calculs, pour qu'au final, tout se fasse à peu près dans les temps sur toutes les machines différentes. Voilà. La mémoire n'est pas partagée, par contre, et ça, c'est difficile. Oui. Voilà. C'est ça qui peut poser problème pour la scalabilité de problèmes plus complexes qui ont besoin de gros espaces mémoire. En effet, si chaque machine a sa mémoire séparée. Enfin, moi, j'ai eu ce genre de problème-là dans le passé où j'avais. À l'époque, c'était avant le parallélisation sur les process, en fait. Donc, j'avais fait différents workers qui tournaient chacun sur un cœur, j'avais un ordinateur 4 cœurs. Mais à ce moment-là, la mémoire était partagée puisque c'était sur un seul et même PC. Et si ça avait dû marcher sur plusieurs PC séparément, ben chaque PC avait sa propre mémoire. Et j'avais une deuxième question, en fait. C'est par rapport à l'algorithme de gradient de descente que vous avez montré. Donc, si j'ai bien compris, pour trouver une configuration optimisée pour les molécules, il faut trouver un potentiel minimum de cette fonction de champ de force. Et donc, vous avez inventé un truc avec des calculs matriciels pour descendre le plus rapidement vers une valeur minimisée. Mais comment est-ce qu'on sait si cette valeur minimisée est la valeur minimale ou une valeur minimale, mais pas la valeur minimale? Alors, le problème avec le... Voilà, le problème avec la descente de gradient, c'est que c'est fondamentalement dans les maths en eux-mêmes qui forment la descente de gradient, cet algorithme, c'est impossible de trouver le minimum absolu. On peut trouver que le minimum local. C'est à ça que sert l'algorithme divisé en deux parties, avec d'abord des transformations aléatoires, puis des transformations par descente de gradient. On essaye de s'approximer du plus grand minimum local, et puis ensuite on s'affine vers le minimum. C'est mathématiquement impossible. Voilà. De toute façon, de base, tu pars sur des algorithmes simplifiés par rapport à la formule mathématique fondamentale. De toute façon, tu as déjà des erreurs d'approximation avant de commencer. Oui, du coup. Après ça, tu fais quoi? Parce que ça, t'en as marre. Je suis désolé, mais c'est fini. Ok, bon, d'accord. Du coup, tu peux répéter la question parce que j'étais stressé par le panneau, c'est fini. Tu fais quoi après? Tu t'arrêtes et tu passes à autre chose? De la météo. Tu changes de pays? Non. Non, j'ai envie de m'intéresser à la météo maintenant. Okay. Voilà. Merci.